Salut les pilotes, on se retrouve pour un nouvel épisode de GT Sport sur le Nürburgring pour un nouveau test. Et cette fois-ci, je vais tester une voiture que j'aurais dû tester il y a longtemps déjà. C'est la Ferrari 250 GT Berlinetta Passo Corto CN 2521 de 1961. C'est pas un peu long là? Parce que franchement, c'est pas un nom ça. C'est voilà quoi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas un nom. Là, c'est pas possible d'avoir mis un nom pareil. Faut se calmer, Ferrari. Il faut se calmer. Alors, c'est une N300 qui fait 279 chevaux pour 960 kg. Elle pèse rien, la belle. Ouais. Et à l'époque, quand elle est sortie, à la mise à jour, j'en ai strictement aucune idée parce que ça fait trop longtemps. Ah ben, je ne l'avais pas prise parce que 12 500 000 crédits. J'avais pas cette richesse. Bon, entre-temps, j'ai eu le défi Lewis Hamilton. Et même si j'ai pas réussi à avoir l'or partout, pour l'instant, je vais au moins mettre l'or partout. Pour le diamant, je sais pas. Mais l'or, je vais le mettre. Ah bah, ça fait que j'ai gagné quelques petites pépettes. Et donc, bah, j'ai pu acheter cette voiture. Voilà. Bon, bah, on va aller la tester. Transmission manuelle, c'est la base. Il est hors de question que je teste une voiture en transmission automatique. Ça me ressemble tellement pas. Alors, je suppose qu'on est sûrement sur un V12. C'est une 250 GT. C'est une 250 GT quand même. On avait une espèce de noblesse dans les moteurs à cette époque-là. Même si Ferrari fait partie des rares constructeurs à encore proposer du V12. Hein. Les autres sont tous passés au mieux au V8. Sinon, carrément au V6. Donc, option de conduite. Je vais supprimer le contrôle d'attraction. Et je vais regarder un truc dans les paramètres de la voiture, évidemment. Transmission 4 rapports. Bah ouais, une voiture de qui date de 1961 en même temps. C'est parti! Faudrait surtout pas oublier que le châssis date de 1961, même si c'est une Ferrari. Pas trop la chaïti. Je reste concentré parce que cette voiture, elle risque de m'envoyer sur les roses n'importe quand, même si. Ah, j'ai oublié qu'elle n'avait pas de cinquième. Ah, elle pointe assez tôt quand même. Hein. Là, on est en front de 4, 208 km/h. Belle tenue de route hein, pour une vieille de 1960. Enfin, 61. Parce que passer là à 180, c'est pas mal.
Évidemment, sur une vieille comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rupteur. On espérait que l'inertie des pistons allait arrêter le... Elle a empêché au moteur de monter trop haut. Donc si à un moment donné il y a un piston qui traverse le capot, c'est normal. Hein, c'était la façon de penser de l'époque. Ces joueurs, mais ça roule bien. Oh, je suis dans l'herbe. Le châssis est vieux mais très sain. Elle fait pas de trucs genre on s'y attendait pas quoi. Alors, on sent qu'elle a une tenue de route qui est un peu aux fraises parce qu'elle est vieille. Mais si on fait pas attention, on pourrait oublier. Et franchement, on pourrait oublier que le châssis il a bah maintenant c'était en 60 bah 80 ans. Ouais, voilà. Rien que ça. Non, j'exagère. Ça fait pas 80 ans. Hein? On va réapprendre à compter, hein? Promis. J'ai encore essayé de passer une cinquième. Alors qu'il n'y en a pas. Mais bon, 60 ans, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal pour une petite vieille de 60 ans. Ça va, ça gère. Peut-être pu passer mieux le carrousel avec une meilleure trajectoire, mais ça aurait été à mes risques et périls. Oh, ah là, j'ai un petit peu surestimé la voiture. Rien de grave, hein, mais je l'ai un peu surestimé quand même. Pas oublier, il n'y a pas de cinquième.
premier rapport raté. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec une vieille Ferrari de 60 ans? On détruit la boîte. C'est la base même de son utilisation. Peut-être 210 km/h dans la petite descente. Même pas. Elle est pas vieille, hein. Très franchement, c'est excellent. 8,36 pour une voiture qui a 60 ans. Hey, ça force le respect. Waouh. Excellent. Alors, c'est pas si extraordinaire que ça, hein. On parle quand même d'une voiture qui a 60 ans. Enfin, voilà. Non, c'est ce que je veux dire. C'est pas si extraordinaire que ça pour une N300, mais on parle d'une voiture qui a 60 balais au compteur. Franchement, c'est une vieille... C'est une matriarche, là. Tout juste si elle est pas là à regarder les autres voitures et dire de mon temps. C'est probablement une des plus vieilles voitures du jeu d'ailleurs. Il y en a pas beaucoup qui soient plus vieilles. Ouais. Bon, bah sur ce, n'oubliez pas que si vous avez comme idée, de regonfler vos pneus de voiture avec une pompe à vélo, c'est pas une bonne idée. Franchement, c'est pas un bon plan. Et sur ce, moi je vais vous dire ciao. To get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye.